garçons, reste motivé jusqu'à la fin. C'est parti depuis le 15 juillet aux Herbiers. Nos chères têtes blondes privées de scolarité pendant de longues semaines de vacances sont prises en main par le service animation jeunesse de la ville. Et durant le temps de l'été, de nombreuses activités ludiques, sportives ou créatives les attendent au parc de l'Étenduère. Nom de code de l'opération Herbe en folie, explication. Nous proposons des activités sur un nouveau site appelé Herbe en folie, qui se situe juste en face du skatepark, aux Herbiers. Qu'est-ce qu'on peut trouver, notamment comme activité pour les jeunes jusqu'au 15 août ? Des activités estivales, puisque le but du jeu, on l'a appelé dans les plaquettes de presse, les pieds dans le sable. Donc on y installe un air ensablé, donc la playa, on y a installé un bar à vitamines avec du sable, les gens peuvent venir se détendre. Et donc on y propose évidemment sur cette playa des activités à caractère ludique sur le thème de l'été, quoi. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu doucement pédagogique, on apprend aussi quelque chose, je crois, aux jeunes? Tout à fait, on apprend la socialisation entre eux, hein, puisque le but étant la mixité en fait des différents publics, des différents lieux de la ville, hein, et donc de les regrouper sur un espace d'animation estival, tous sur ce même site. Les activités que nous proposons, elles sont par tranche d'âge, pour pas qu'on ait les plus petits qui se fassent bousculer par les plus grands, etc. Donc on a aussi du beach volley, on va avoir des courses de garçons de café, enfin des petites choses comme ça qui sont tout à fait ludiques et accessibles à tous. Donc il y aura aussi peut-être des soirées en fonction aussi du temps et puis en fonction aussi des sollicitations, parce que nous avons sollicité aussi des associations herbretaises à participer et à venir faire connaître leur association et proposer pourquoi pas leurs activités. C'est donc les pieds dans le sable que la jeunesse herbretaise va pouvoir s'épanouir pendant les journées d'été. Sans oublier les soirées et leurs spectacles. Et il y en aura pour tous les publics.